tous, on est ravis de vous retrouver ce vendredi 10 avril. On vous propose aujourd'hui une séance jeu. C'est très simple, pour jouer, il vous faut des pinces à linge et il vous faut deux tissus de couleurs différentes. Alors aujourd'hui, on va tester vos réflexes. Donc, on reste concentré et on reste appliqué et on reste surtout mobilisé. Et en avril, on ne reste pas... Thank you.
retour au calme. Donc pour cette phase, il vaut mieux la faire en intérieur au chaud, donc on vient de transpirer. On pense avoir un repos s'hydrater. C'est très important, cela va vous permettre d'éviter au maximum les courbatures pour le lendemain. Donc commençons avec le premier, donc vous l'avez appelé le flamant. Donc tout simplement, on se met sur un pied, on va attraper la cheville, que l'on va venir caler sur la fesse. Cela va venir étirer le quadriceps devant et on tient pendant 30 secondes. Pensez toujours à expirer, inspirer, on est en retour au calme là, on fait descendre. Une fois qu'on a fait un côté, on fait pareil avec l'autre, on vient tenir la cheville. On garde toujours le dos bien droit avec le buste, donc un bon pas. Ensuite, on va venir au sol faire ce qu'on appelle le passage de haie. Donc, tout simplement, je viens me positionner une jambe, l'autre à 90 degrés. Si j'arrive pas, que ça me tire trop dans le quadriceps, on vient ramener. Le but du jeu, c'est pas d'avoir mal. Et là, on va venir attraper le plus loin possible la cheville si on y arrive. Le pied, c'est encore mieux. Et si on n'est pas sous. Mais le but du jeu, c'est que ça étire. Donc, c'est pas d'aller jusqu'à la douleur. On s'arrête avant la douleur. Une fois qu'on a fait un côté, on vient faire l'autre pareil. On pense toujours à inspirer et expirer. C'est très important. Donc là, ça va venir vous tirer toute la partie arrière de la jambe et un peu le quadriceps sur cette jambe. Ensuite, nous allons passer pour étirer le dos. Donc, on se met à quatre pattes. On garde les bras tendus. On bascule le bassin sur les talons sans toucher les talons. Et on va venir rapprocher la tête vers les bras. Et cette position va venir vous étirer le bas du dos. On pense toujours à expirer et inspirer. Et enfin, la dernière. Donc, c'est toujours la même position, sauf que cette fois-ci, les pieds vont venir toucher nos fessiers. On pose les mains au sol et on va venir tirer le plus loin, le plus loin, le plus loin, le plus loin. Et toujours en inspirant. Et cette position-là va venir vous tirer tout le haut du dos. Vous pouvez vous applaudir et on est